Monter en sécurité, c'est être à l'écoute de notre cheval pour ne prendre aucun risque. Donc évidemment, le mot aucun risque a fait sursauter tout le monde en disant c'est pas possible, on peut pas monter sans prendre aucun risque, etc., etc. Bref, le discours habituel en fait. Donc puisqu'on ne peut pas monter en prenant aucun risque, autant pas faire attention. Moi, je ne partage pas du tout cette opinion, mais alors absolument pas. Moi, je pense qu'il est possible de monter sans prendre aucun risque. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Après, ça n'empêche pas les accidents, mais les accidents, ils sont en fait qu'on n'a pas su éviter les risques qu'on avait perçus, en fait. C'est-à-dire que les risques, on les a bien perçus, mais on les a négligés, et du coup, on a eu un accident. Mais on est toujours prévenu. Et on va prendre des exemples et je vais vous faire des métaphores et des exemples avec ça. Donc, il faut repérer ces signaux. Il y a toujours des signaux d'un danger. Il faut les repérer. C'est comme quand vous arrivez en voiture sur une voie de chemin de fer. Vous avez une multitude de signaux. Vous avez le panneau à 150 mètres, barrière de chemin de fer. Vous avez le marquage au sol. Et le panneau au pied du poteau. Vous avez la sirène, le bruit. Vous avez le bruit du train. Vous avez la vibration du train. Et vous avez à la fin la vue du train. Donc vous avez 9 signaux pour vous indiquer qu'il y a un train qui passe. Eh bien, il y a des gens, on pourrait mettre 200 signaux, ils se feraient ramasser quand même, hein. Ils ne les regardent pas, en fait, ils ne les voient pas. Et moi, je suis persuadé que dans l'équitation, c'est la même chose. Nos chevaux communiquent beaucoup, ce sont des grands bavards. Donc ils nous donnent énormément d'informations. Et puis il n'y a pas que nos chevaux, il y a tous les éléments extérieurs qui nous donnent des informations. Il n'y a pas que nos chevaux. Donc je vais prendre un deuxième exemple, une deuxième métaphore. C'est une histoire que je vais vous raconter. C'est l'histoire d'un curé de village, dans un village de montagne, et ce village, il y a une inondation qui arrive. Donc le maire va voir le curé, il lui dit, Monsieur le curé, il faut absolument partir, votre église va être inondée, vous ne pouvez pas rester là. Et le curé lui dit, mon fils, aucun souci, j'ai Dieu avec moi, je risque absolument rien, donc vous pouvez partir, moi je vais rester dans mon église. Alors le maire essaye de le convaincre, il dit, mais non, monsieur le curé, ça va, l'eau va monter, vous allez mourir. Non, 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 Dieu est avec moi, il n'y a aucun problème, je ne risque rien. Le maire s'en va parce qu'il y a danger, il ne peut pas rester. Et puis l'eau monte. L'eau monte jusqu'au premier niveau de l'église et le curé est obligé de se réfugier en haut de l'église. Et là, il y a des pompiers qui arrivent avec un canot de sauvetage. Et ils arrivent et ils disent au curé, Monsieur le curé, il faut venir avec nous, montez dans le canot, dépêchez-vous, vous allez être emporté avec votre église. Et le curé leur répète la même chose. Il leur dit, mais non. J'ai Dieu avec moi, je risque rien, je peux rester là, il n'y a pas de problème, Dieu me protège. Et donc les pompiers, ben, il y a le courant et tout ça, ils ne peuvent pas rester sur place, ils s'en vont, ils vont sauver d'autres personnes. Et puis le curé, ben, l'eau continue à monter, ben, il va monter sur son clocher. Il monte sur son clocher, et arrivé sur le clocher, il y a un hélicoptère qui arrive, et l'hélicoptère lui tend une échelle en disant, Monsieur le curé, montez vite à l'échelle, vous allez mourir, il y a l'eau jusqu'en haut de l'église, vous allez mourir. Non, non, ne vous occupez pas de moi, Dieu me protège, il m'arrivera rien. Et donc l'hélicoptère s'en va, et évidemment, il arrive ce qui devait arriver, c'est-à-dire que le curé est emporté par les eaux, il est noyé. Et donc le curé arrive au ciel, et il rencontre Dieu, et il lui dit, mais Dieu, comment ça se fait? Tu m'as pas sauvé. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu m'as pas sauvé? Dieu lui dit, non mais tu te fous de moi quand même. Je t'ai envoyé le maire. Je t'ai envoyé les pompiers. Je t'ai même envoyé un hélicoptère. Et tu as tenu qu'on n'en tient pas compte et c'est ça le problème. Alors, je vais prendre des exemples. Puisque évidemment, les personnes qui m'ont dit que ce n'était pas possible de monter en sécurité, elles m'ont cité des exemples. Et alors, l'exemple type, c'est la moto trial qui arrive en trombe. Mais franchement, une moto trial, ça ne fait pas du bruit à 10 mètres. Ça fait du bruit à 1 km. On a largement le temps de faire des choses avant qu'elle arrive sur nous. On l'entend. Et puis, ça vibre. Ça entraîne des vibrations. Et même, on doit avoir un ressenti. On doit sentir qu'il se passe quelque chose. On doit sentir qu'il y a un danger. Donc, on a au moins 3 signaux qui nous préviennent.
Et si on tient compte de ces signaux, soit on se met en sécurité, soit on descend de cheval et on se met sur le côté. Moi, ça m'est arrivé. Une moto trial qui arrivait à fond dans le chemin et je savais qu'il ne me verrait pas. Donc, je suis descendu de cheval, j'ai mis ma jument sur le côté. Moi, je monte avec un gilet orange fluo, toujours, tous les jours, tous mes chevaux. Et donc, évidemment, quand il est arrivé, il m'a vu et il s'est arrêté immédiatement. D'ailleurs, j'étais très surpris parce que la moto allait très vite et il s'est arrêté en quelques mètres, en fait, et il a coupé le moteur. Et donc, je n'ai pas eu de problème. Mais même il serait passé, au pire, j'aurais échappé ma jument, au pire, mais c'est tout ce qui pouvait m'arriver. Et j'aurais pas eu d'accident puisque de toute façon, j'étais sur le côté. Donc, il pouvait rien m'arriver. Donc, la moto trial, bah, elle est arrivée. Elle a fait son boulot, j'ai fait le mien et tout s'est bien passé. Donc c'est ce message-là que je veux vous faire passer. C'est pas parce que c'est une moto trial qui arrive ou une voiture ou un vélo ou je sais pas quoi que vous ne pouvez rien faire. À partir du moment où vous intégrez l'information, vous avez votre libre arbitre de faire ce qu'il faut pour réagir à ça. Alors évidemment, si vous êtes sous le coup de l'émotion, l'émotion noie la réflexion, vous ne pouvez pas réfléchir, vous ne pouvez pas prendre de décision et vous ne pouvez rien faire. Là, d'accord. Parce que ça vous a créé une émotion qui vous empêche de réfléchir. Mais si vous êtes dans la réflexion, vous trouverez toujours une solution. Il y en a des centaines. Donc vous trouverez toujours une solution au problème. On m'a cité également un hélicoptère. Ben, l'hélicoptère, c'est pareil. Il n'arrive pas comme ça en 30 secondes. Ça arrive plus vite qu'une moto, effectivement. Mais ça fait du bruit de loin. On l'entend de loin. On a le temps de réagir. On a le temps de mettre pied à terre, tout simplement. Y a pas... Quand on a un risque, on met pied à terre et puis on n'a plus de risque. Les chevaux, ils sont pas tellement, ils réagissent pas tellement au bruit des avions ou des hélicoptères et tout ça, parce qu'à partir du moment où c'est en l'air, c'est au-dessus d'eux, ils savent que c'est pas dangereux. Donc normalement, ils réagissent pas trop. Mais là, l'hélicoptère était descendu au-dessus du centre équestre, au-dessus de chez moi. Mes chevaux, ils en font aucun cas. Donc souvent, les bruits au-dessus, ils me font plus peur à moi qu'ils font peur à mes chevaux. Mais il n'empêche que si j'ai un doute, ben, je vais tout de suite mettre pied à terre, je vais tout de suite mettre mon cheval en sécurité et me mettre en sécurité. On n'a pas à rester en selle quand il y a un danger, quand il y a un problème. Alors, voilà, c'est ça, c'est ce message-là que je veux faire passer, parce que monter en sécurité, c'est possible, c'est même possible à 100%, et quand on a un accident, c'est qu'on n'a pas respecté les limitations. Après, il ne faut pas que tous les signaux soient bloquants. C'est-à-dire que à côté, derrière, il y a notre intuition qui nous envoie qui nous prévient, hein, c'est notre cerveau reptilien, mais il y a également dans le cerveau reptilien l'ego, on va dire, qui lui veut qu'on reste dans notre canapé. Donc forcément, lui, il va avoir peur de tout. Et c'est vrai que si on a peur de tout, on ne fera jamais rien. Donc il faut remettre notre cerveau logique en route pour dire, là, il y a un danger, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Si j'y vais de façon mesurée, contrôlée et je limite les risques. Et sinon, j'y vais pas, si je ne peux pas limiter les risques. Et c'est là qu'il faut améliorer ses connaissances. Parce que si on n'a pas les connaissances pour faire les choses, eh bien, on prend des risques sérieux. Si vous n'avez pas les connaissances pour contrôler votre cheval, eh bien, forcément, vous sortez en extérieur, vous prenez des risques. Donc, ça passe d'abord par les connaissances. Les connaissances, c'est être. Être humain, c'est être quelqu'un, être quelque chose, c'est-à-dire ça passe par les connaissances. Ensuite, il faut faire. Et donc, parce que si on ne fait pas, si on reste dans notre tête, on n'arrive à rien. Donc, après, une fois qu'on est, c'est-à-dire qu'on a les connaissances, il faut mettre en pratique. Parce que si on écoute tout le temps notre ego, on ne mettra jamais en pratique. Donc, la deuxième étape, c'est faire. Et ensuite, on peut réussir, du coup. Mais d'abord être, ensuite faire. Et pas l'inverse, pas faire avant d'être en se disant on apprendra sur le chemin. Évidemment, s'il n'y a pas de danger, vous pouvez le faire. S'il y a un danger, je ne vous conseille pas. Il vaut mieux apprendre. Et c'est exactement comme ça qu'on travaille dans la méthode SPM, dans le parcours SPM. Et avec les personnes, on travaille à être d'abord, avoir les connaissances et mettre en pratique chaque semaine les connaissances qu'on a apprises. Les personnes qui me disent que ce n'est pas possible de monter en sécurité, ils ont raison. Ils ont raison. Si on ne tient pas compte des signaux qu'on reçoit, si notre cheval est très chaud, on n'est pas en sécurité. Donc, faut faire attention. Ces 80% des chevaux sont trop chauds quand ils sortent en extérieur. Donc, si on sort à plusieurs, eh ben, à plusieurs, on n'a aucune chance d'écouter les signaux faibles. Parce qu'on est concentré sur l'autre personne, on discute, on est concentré sur l'autre cheval, pas sur le nôtre.
pas sur les éléments extérieurs et on a toutes les chances que quand il y a un chien qui déboule ou quelque chose, ben, on soit pris de court et qu'on n'ait pas préparé. Donc moi je suis contre les sorties à plusieurs en extérieur, je trouve que c'est trop dangereux, il faut vraiment le faire quand on est sûr de soi et pas l'inverse. C'est-à-dire que beaucoup de gens sortent à plusieurs parce qu'ils se sentent rassurés, alors qu'en fait c'est pas du tout rassurant et que je suis bien plus rassuré en sortant tout seul, puisque tout seul je suis focus sur mon cheval. Je suis focus sur mon cheval et sur les éléments extérieurs. Donc je suis à l'écoute des éléments extérieurs, à l'écoute de ce que dit mon cheval, parce que le cheval parle, on ne peut pas dire autrement, il exprime ses émotions, il exprime son avis, il donne des choses, et donc si on ne l'écoute pas, on s'en va à la catastrophe. Donc c'est sûr que quand on n'est pas à l'écoute de son cheval, pas à l'écoute des éléments extérieurs, forcément on prend des risques, mais quand on est à l'écoute de tout ça, on n'en prend pas. Si vous avez des bouts de route à faire, eh bien, faites-les à pied, tenez votre cheval en main, ayez une longe assez longue pour que si le cheval bouge, il ne vous saute pas dans les bras. Et puis, s'il faut un stick, prenez un stick pour contrôler votre cheval. Ça vous apprendra à créer la connexion, à avoir un cheval qui reste connecté à vous tout le temps. Et puis, une fois que la zone est passée, eh ben, vous remontez à cheval. Mais vous n'avez rien à faire à cheval sur une route. Ce n'est pas un endroit pour faire du cheval. Hein, vaut mieux être à pied, passer la route et aller à un autre endroit. Voilà. Un truc qui me tétanisait, quoi. Quand je sais que je vais sauter le lendemain, 24 heures avant, j'ai mal au ventre, je suis à diète, je fais qu'y penser, quoi. C'est Ouais. idiot, mais bon, ça me paralysait. Donc, je trouve ça aussi dommage d'être limité par cette peur, Ouais. pas forcément justifiée. Donc, là, ouais, tu m'as appris des techniques et j'ai réussi à sauter avec plus de confiance et sans peur. Ouais, dès la première tentative, en fait, en plus. Allez. Donc, tu vois, ça va s'améliorer avec le temps. Ouais, j'avais peur de tomber parce que voilà, enfin, bref, plein d'idées fausses. Voilà, donc ça m'a plu parce que c'était facile et c'était tu m'as jamais mis la pression. Ça aussi, j'ai aimé, j'ai fait à mon rythme. En reprise, en club, un objectif dans la séance, il faut avoir fait tel mouvement ou tel saut. On a toujours un petit peu de pression, même si c'est bienveillant, il y a toujours quand même un petit peu de pression. Le regard des autres, si les autres y arrivent, il faut que j'y arrive aussi. Tu peux témoigner pour les gens que c'est pas parce que je vois pas ton cheval, parce que je te vois pas monter, c'est pas parce que je suis pas avec toi que c'est pas possible de le faire en fait. Ouais, tout à Tu as fait. réussi quand même à le faire toute seule, comme une grande, sans être accompagnée, juste avec les conseils que je t'ai donnés le mardi soir, plus les vidéos, et tu as réussi toute seule à te prendre en main et à pouvoir être autonome et ne pas avoir besoin de quelqu'un avec toi. Il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ce que tu fais, qui ne peuvent pas sortir tout seuls et qui n'y peuvent sortir qu'avec quelqu'un en fait. Donc toi, tu as réussi non seulement à sortir, mais en plus en autonomie donc, et en sécurité, parce que c'est très important. Tout à fait. Car Oui, je suis pas là avec toi, donc il faut absolument que tu sois tout le temps dans des conditions de sécurité optimales. Très important. maintenant, voilà, je sais reconnaître les signes, je sais ce qu'il faut faire. Donc, je suis plus confiante. Donc, il y a Régine qui nous dit, je me reconnais dans son discours. Ah oui, Voilà. ça correspond à beaucoup de monde, oui, Mais effectivement. ouais. Oui. Et le cas typique des gens qui croient que leur problème vient de la technique, alors qu'en fait, leur problème, il vient de la gestion de leur cheval et la gestion de leur mental. C'est deux choses différentes, mais c'est ces deux paramètres-là qui sont négligés, en fait, la plupart du temps. Et en travaillant sur ces paramètres-là, eh bien, on n'a plus besoin de technique après. Ça remplace la technique. C'est l'objectif en tout cas. Et la technique peut venir en supplément, mais c'est la cerise sur le gâteau. Et donc tu peux toujours venir le mardi dans les coachings collectifs. On a fait aussi des séances individuelles, donc ça apporte aussi. Merci beaucoup.